premier belé Nanzela ya DRC News Télévision, les communicateurs de la République, Jeff Badibanga vous salue et vous demande déjà d'entrer de jeu, d'aimer notre vidéo, de la partager parce que ici vous allez avoir les dessous des cartes sur la chute de Kanyabaonga, plusieurs généraux traîtres aux arrêts, monsieur le général Chico Tshitambwe au front lui-même avec des motocyclistes, ça fait honte au 21e siècle plutôt. Toi, lui, comme on a armé la République démocratique du Congo, Kobunda Kanaba Moto, alors que le chef d'État, Yambo Kanabiso, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a Bengi Saki, Oyoto Bengi Bongo, Conseil supérieur de la défense, Bisika Owapi, et Lobami, na monde Mobimba, que ma Koki, et Pesami, la force armée de la République démocratique du Congo, il y a qu'on récupérer la localité et mêler Oyezoma qui déjà dans Maboko Abayi M23. Mais au regard des images que nous avons vues, au regard de la manière dont l'armée rwandaise est entrée, et au regard de la manière dont l'armée congolaise est allée au Kendena Front, je vous dis, même si Tobundi, Leloti, Lobi, Tokoti, Kalaka, jamais pour récupérer localité à Tamokote. On doit nous dire la vérité en face. Le moyen que le chef de l'État met à la disposition de l'armée, les Ali Kokendewat, j'ai parlé des généraux traîtres. Bah, généraux, wana ba zelaka. Au moins, il y a un conseil de supérieur de la magistrature, il y a défense et côté qui wana. Pour Nabango, c'est le moyen de se payer des voitures. C'est le moyen de se payer des villas. C'est un moyen pour eux de se payer des parcelles. Et le moyens qui sont destinés à l'armée, les alliés comme on en a été, ça fait honte, mesdames et messieurs, ça fait honte de voir que l'armée congolaise, les akokendena bitumba, l'ikolo yabamoto, et tout ça par la détermination, il y a autres alliés comme Benga, le général Chico Tshitambwe, il y a un alliés comme Senga na bakongomani, entre déjà, et monsieur Oyo et Bandeliti Souka, je vais parler de la situation de l'Est de la République. Ça fait tellement honte. Ça fait tellement honte. Et nous sommes loin de la sérieuxité dans tout ce que nous sommes en train de faire. Kanyabaonga est tombé. Avant que Kanyabaonga ait Kweya, j'ai alerté ici sur la situation, la manière dont Batouana Bandeki s'organiser pour s'attaquer à Kanyabaonga. J'ai alerté parce que la population civile a filmé plusieurs camions de l'armée ougandaise remplis de munitions, remplis de militaires ougandais qui venaient en renfort pour soutenir leurs frères. Et au niveau de Kanyabaonga, il n'y a pas eu combat entre l'armée congolaise, Nabaoto Bengi ba M23, ou soit l'armée ougandaise et l'armée rwandaise, appuyée par le M23 et les ADF. Naebi Sakibino, ADF Naba M23, Basangani. L'armée ougandaise, l'armée kenyane, l'armée rwandaise, Basangani. Tous ces gens ont fait un bloc contre la République démocratique du Congo. Mais chose grave, la situation n'est pas prise à la dimension. Oyo Banguna République démocratique du Congo, Bazui République, Bazui Likambolina. Nanobaki Nabino Awa, le Rwanda est attaqué sur le plan international. L'Ouganda est attaqué sur le plan international parce que les rapports des experts des Nations Unies, ils ont mis ça les images, il y a Baougandais qui ont attaqué la République démocratique du Congo pour appuyer le Rwanda. William Ruto, chez lui, n'en parlons même pas. La situation qui se passe là-bas, tout le monde en sait. Il cherchait à ce que Bako, Baba Saladini, Baba corrompre, Bas généraux, qui étaient au front. Au moment où nous parlons, on nous présente certains généraux qui sont à la base de la chute de Kanyabaonga. L'aviation militaire n'a pas travaillé ce jour-là. Les avions de chasse, Mukolo Kanyabaonga Zokoya, ne Mukolo Yobandeki Kosa la maintenance avion de chasse. Badron Nwana, Mukolo Kanyabaonga Zokoya, ne Mukolo Yobandeki Kosa la entretien Yabadron. Or, en réalité, Badron Nwana Zali Badron Yasika, entretien Bandeki Kosela, Mukolo Yoba M23, Balinga Kibakota. Et lorsque le M23 entre à Kanyabaonga, il n'y a pas de ban, il n'y a pas de guerre. Bakoti avec des dips. Bakoti avec des véhicules. Mais notre armée part
au front Nabamoto. Quand est-ce que nous allons gagner ce combat? Je veux d'abord que vous puissiez suivre ensemble avec moi. Quand le chef de l'État a cotisé Conseil supérieur de la défense, Balobi que les moyens ont été donnés à l'armée pour récupérer des localités. Je veux d'abord que vous puissiez suivre et après je vais vous faire voir ce qui fait la honte de l'armée congolaise. Soni Yamakasi na armée na biso. Vous avez tous suivi ce matin et depuis quelques jours la détérioration de la situation sécuritaire à Kanyabayonga, dans les territoires de Luberon, province du Nord-Kivu. Le président de la République a donc convoqué cette réunion du Conseil supérieur de la défense élargie pour faire le point général de la situation. Évidemment que nous avons parlé de la situation opérationnelle du pays de manière générale dans toutes les trois zones de défense, mais il y a eu un accent particulier qui a été mis sur les événements de Kanyabayonga. Après près de trois heures des discussions et un tour d'horizon avec les différentes autorités militaires, des perspectives et des mesures ont été proposées au président de la République pour que les forces armées de la République démocratique du Congo puissent très rapidement remettre de l'ordre dans cette partie du pays et reprendre certaines autres localités qui ont été occupées par les forces rwandaises, parce que c'est d'elles qu'il s'agit. En même temps, le président de la République a tenu à rendre un vibrant hommage aux forces armées de la République démocratique du Congo qui défendent au prix de leur vie la patrie, et il a lancé un appel à toutes les populations de cette partie du pays, mais aussi à tous les Congolais. D'ailleurs, il y aura un message du 30 juin dans les heures qui suivent. Il aura l'occasion de revenir sur ce que nous tous, nous devons avoir comme attitude en ces moments pour nous assurer que partout où nous sommes, nous faisons d'abord preuve de solidarité pour toutes les populations et les compatriotes qui sont touchés directement par ces événements, mais aussi la nécessité pour nous de veiller à la préservation de la patrie. Il est donc important que dans ces contextes, que les Congolais se méfient de tout ce qu'ils lisent sur les réseaux sociaux pour ne pas prêter les flancs au jeu de l'ennemi, parce que vous savez que c'est aussi sur ce terrain que les jeux se jouent pour démobiliser les Congolais, mais aussi pour toucher le moral de nos vaillants soldats qui sont engagés sur le front. Donc ici, nous réitérons l'appel du président de la République à continuer à faire confiance aux forces armées de la République démocratique du Congo, pour lesquelles le gouvernement de la République, mais ainsi que lui-même, mettront tout à disposition pour que l'ordre puisse être rétabli et très rapidement. Je suis en train de regretter. Le chef de l'État est floué. Le chef de l'État va se conseiller par ma collaborateur Ouazali Pembeninaï. Des millions et des millions de dollars que le gouvernement débloque pour que Bambi Lanabiso, pour moi au fond, va travailler comme il se doit, base à toute la logistique possible. Nous nous sommes rendus compte que des millions et des millions de dollars déboursés pour l'armée ont été détournés par ces généraux. Nous avons les images de la réorganisation des troupes. Comment est-ce que les FARDC se mobilisent? Bazo matani kolo moto, bao ba matimi balé, bao ba matimi sac, bao ba matimi mine, bazali likolo ya moto. Or que les M23, bazali kokota dans des types bien organisés, comme une armée bien structurée. Or que de chez nous, nous sommes en train de voir l'armée qui se bat comme si nous étions en 1960. Même en 1960, on a vu Mobutu, lorsqu'il fait un coup d'État, il avait des camions, il avait des véhicules. L'Oyo armé, il fallait qu'il utilise Yango. Aujourd'hui, les images que je vais vous faire voir, vous allez pleurer. Vous allez pleurer. Un général chargé à commandement, à opération, à Télémi, à Zomatis, à militaire, à moto. Il sort même de l'argent de sa propre poche. Or que le gouvernement a dit que les moyens ont été mis à la disposition de l'armée. Est-ce que les moyens ont été mis à la disposition de l'armée? Est-ce que la réalité est macabre? Est-ce que Kinshasa n'est pas en train de cacher quelque chose? Et si le chef de l'État a cette détermination,
à en finir avec la guerre. Mais en réalité, Makambutozo Mona Ezali Angote. On a la loi de la programmation militaire. Des millions et des millions d'argent ont été décaissés. Des millions et des millions d'argent ont été donnés à l'armée. Tous à la navion de chasse, tous à la naba drone, tous à la naba lanceur de roquettes multiples, qu'on ait des machines de guerre nouvellement. Il y a un et où tout ça, les makalamins qui sont en russe. Nous sommes en armée. Mais aujourd'hui, mesdames et messieurs, ça fait honte de voir que Bambongoana, on a l'impression que ba généraux nabiso bango ne va détourner non soana. Parce qu'au front, toi, lui, comment est-ce que mon côté? Si je parle le même langage avec les techniciens, je veux que vous puissiez suivre d'abord l'émission. Oloba, mille nabiso, forces armées de la République, bazo matamoto, pour aller au front. Bakende kobunda likolo ya moto. Pas dans des véhicules blindés, mais l'icolo à moto. Suivez l'intégralité de cet élément et après on se retrouve. Matina ne parle pas de Moïse, à part tout quoi limbo. À part Kabisa, ton nom n'a pas pagué si beaucoup bon à Figabo. Ton nom n'a bien mal à Kabisa, basoudavi qu'on a. Sukumi wa kwenye balikimbia na kuingia tunashukuru sana kwa gishi generale yeye peke peke anaanja tosha basudamu eneo kwenye tuko kubavu urudisha kwenye balikuwa na bashato komanda from north kwenye balikuwa natoka kufika hapa njo tunafurahi kubarudisha kwenye balikuwa na bashato jimbo make soda iko na fama nyanga mara moja bana bapiga fimbo kusudi barudie kule ku ligne de front iko na balipia mamoto make iko naita ba motare bana lipa motare akishaonekana kwa juba motare balikuwa na haviko tena mubarikingi make motare liko na muona anafika pale banalipa motare anashambika ba soda banaenda ku ligne de front na bapatia na kalibira kama moto bana moto yenye haina kalibira ubie banapata motare kama hana esasi kwa njua pali mbongo hakuna fasi kwenye viko naonyesha tena esasi njo viko na esasi viko na tia moto esasi kusudi bapeleke basuda ku ligne de front. La morale à la soude, parce qu'on veut que on a ma tracasserie, mais qu'on est au Kabisa. Il n'y a pas surpris, il n'y a pas de courage. Bon, il n'y a pas surpris, il n'y a pas si on a qu'à vivre la vie. Beaucoup en a tenu qu'à vivre. Il n'y a pas de mina changa, c'est tout pour moi, pour qu'à te vivre. Vraiment. Apparemment, l'engagement de la FARDC est positif. Dès un mois d'Ira, pour la cédure de Kanyabayonga, la population de Lubero félicite déjà. Au gouvernement, en tout cas, nous supplions encore plus de fournir plus d'efforts. Et quand on essaie de faire un peu d'enquête auprès des militaires, ils disent qu'ils sont moins supportés par le gouvernement. C'est pourquoi la population continue à lancer cri d'alarme. Pourvu que la force est notre armée et que l'ennemi soit vraiment éliminé, repoussé. Plus dur encore. Mais si nous avons ça, la émission, je ne vais pas être long, mais je vais juste vous donner l'impression que Makambo Ezali Kosalema. Au niveau de Miregi, au niveau de Kirouba, l'armée congolaise est devenue le plus grand fournisseur de munitions et des armes à la rébellion du M23. Naïbi Sibino que Baye M23 Bakoti, sans qu'il y ait affrontement avec les forces armées de la République démocratique du Congo. Babundite, Banyangala Katawana, ba terroriste, wana Baye Bakoti, appuyé par l'armée ougandaise. Je n'ai pas le temps de vous montrer comment l'armée ougandaise est entrée. Les images sont là. Écrivez-moi en privé, je vais vous l'envoyer. 1197. Plus 243, 81,
717 1197. Je vais vous envoyer les images en privé. L'entrée de l'armée ougandaise, l'appui de l'armée rwandaise, l'appui de l'armée kenyane. Comment les ADF et les M23 se sont rassemblés. On aurait appris, les images sont là. Owa Pibande Kobalandi, il y a DRC News Télévision. Vous allez voir que les munitions et les forces armées de la République Batikeli Yango Banyarwanda et pas y a un officier traître wana Batikeli Yango Banyarwanda. Tala ma munition est belé, tala mandouki est belé. Aujourd'hui, l'argent que tu sais dit donne à l'armée, les munitions qu'on achète pour l'armée, aujourd'hui, Bazuba Mandouki wana, et comme il y a ma IM23, on se pose la question, au lieu que Bisoto Bunda, avec ses munitions pour renverser le Rwandais, pour renverser le régime de Kagame, pour renverser les Ougandais qui viennent en appui, Yaba IM23. Aujourd'hui, c'est nous qui devenons le grand fournisseur, Yaba IM23. Avant que je puisse commenter ce que je suis en train de dire, je veux que vous puissiez encore voir ces images. Ils ont ça la passe pinza. Les images, il y a munitions, il y a Congo. Batikeli Yango Banyarwanda. En images, on se retrouve. Катюша. Tire. Yes, sir. Vous voyez vous-même. Entre Poana Mobimba ya FARDC. Le nom est Zali à Banyarwanda. Entre Poobomoni Wana. Ba Ougandais na ba M23 bango ba récupérer yango. Pendant ce temps, les généraux espèrent en repli stratégique y armée congolaise. Ba sengi na FARDC, ba sa la repli stratégique. Ba sengi na armée na biso, ba sa la repli stratégique. Et pendant que l'armée faisait le repli stratégique, kuna bazali kotike la bango ba munitions. Kuna bazali kotike la bango ba char de combat. Mais nous, comment est-ce que nous pouvons vaincre cette guerre? Comment pouvons-nous vaincre le Rwanda, l'Ouganda et le Kenya alors que nous ne mettons pas du sérieux au front? Alors qu'il n'y a pas de la sérieuxité dans ce qui se passe au front? Ba Rwanda bazo kota na ba mituka. Ba Ouganda bazo kota na mituka ya armé na bango. Ba Kenya bazo kota na mituka ya armée na bango. Mais chez nous, ce sont les motos. Bande konanga yata bino moko. Lorsque vous voyez tout ce que je suis en train de vous faire voir là, est-ce que nous sommes prêts à vaincre le Rwanda? Est-ce que nous sommes prêts à récupérer des localités? Regardez ce qu'on appelle la réorganisation. Il y a Otinda Batunami Tuka, pas de véhicule, armé à Zana ba véhicule te. Or que ba généraux ba tondi na ba véhicule na banda kunabango. Ba généraux ba zana ba mituka. Ba li kotambola bien confortablement. Or que na front, tozo zanga ta camion moko e koki ko mema. Ba militaire à l'est. Tozo zanga ta. Moi, pique pour moi, quoi, comme un militaire, pas qu'un de Koboun. Bah, toi, n'a pas causé la motivée, n'a pas causé la motivée, s'ils vivent dans de telles conditions. Mouya, y'a l'obin, a dit que les moyens ont été mis à la disposition de l'armée.
Mais son front, c'est autre chose. Lorsque nous regardons, nous voyons autre chose. Est-ce que la population est coquille sous Kondimabinote? Est-ce que vous pensez à ça? Et vous êtes en train de faire sortir le président de la République, neti mutoyer bili kambute, neti mutoyer bima kambali ko sale maté, le lo oyo, mesdames et messieurs, la sécurité de faire l'objet, il y a intervention, il y a ba Congolais nyonso. Et aujourd'hui, on voit que, au lieu de s'attaquer au vrai problème, il y a un secrétaire général de l'UDPS, que tout le monde ne veut plus voir là où il est. Le parti n'est pas réorganisé. Mais pour les intérêts propres, ils veulent s'aimer même au sein des services de sécurité. Il y a des choses qu'on doit dire. Pour ne pas m'accabler, zonga na alima. Parce que c'était. Bisopé, tu es un complice. Na m'accabler, zali ko salima. L'UDP, son pouvoir. C'était pour que nous puissions avoir honte il y a 37 ans de lutte. 37 ans, on est qui ça en opposition. Et Zala qui peut qui s'habille son lelo. Mais si tu es incompétent, tu dois démissionner, tu dois partir avant que Bissoto Pelissamoto. Matiti Essie Kaouki et Tikalika Kato Pelissamoto. On ne peut pas accepter que 37 ans de lutte, yo, Obando Bimisa, comme si le chef de l'État, Obiso Tobundela, lorsque Bafoyou le Badribla qui est à Genève, yo Zalaki Wap, Bissonde Batoubanda qui m'a cambo, yako retiré signature, Tobanda yangon en grand marché à Zan. Où étiez-vous? À l'époque, lorsqu'on a commencé les combats de ces pouvoirs, de ces régimes, où étiez-vous? Les noms nous sommes au pouvoir, aux autres qui s'abattoussent. Le pouvoir de l'UDPS aujourd'hui, parce que tu veux tout faire. Ma poste tout na IDP, c'est comme Ayo. Porte-parole à IDP, c'est comme Ayo. Le nom de l'actualité qui concerne l'UDP, au comment on a porte-parole, ce qui va tout ni va combattre même à IDP. Porte-parole à IDP, ça Zalinan. Quand est-ce qu'il a pris la parole au nom de l'UDP, le porte-parole de l'UDP? Les nationaux, toi, comme on a bangoté. Moussala, la bangoué, Zali, comme on a noté. Tout s'est centralisé sur quelqu'un. Mais là, était le Longondo à lobby. Restructurons le parti. Regardons 2028. Était le Longondo, le loi, comme il m'a dit. Mais là, au Tindi, Batuna, il y a pas de coffing. Mais l'UDPS, c'est le temple de la démocratie. L'UDPS, c'est le jaillissement des idées. Lorsque vous n'avez pas des arguments, taisez-vous, pliez bagage. Quittez le poste du secrétaire général. Vous n'êtes pas le premier, vous ne serez jamais le dernier. Bah, complaisons ça les mains au travers de l'Union sacrée. Le gouverneur que vous avez fait sortir, le ministre des kabilistes, sur 100% du gouvernement, que ce soit à Kinshasa, que ce soit à Lubumbashi, ce sont des kabilistes. Le gens qui ont travaillé avec Kabila, c'est comme pour dire à l'UDP, s'il n'y a pas de la crème intellectuelle, il faut Antoine travailler. Mais ça, c'est l'insulte à la lutte de Tshen Tshisekedi, c'est l'insulte à la lutte de Maman Marthe. C'est l'insulte à la lutte de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comment est-ce que les gens peuvent prendre à toi à travailler dans Kabila? Kabila lui-même a dit qu'il n'avait même pas 5 personnes. Il y a Malamoua Kokaki Kosungaye. Mais vous nous ramenez ces gens-là. Na pouvoir Obisoto Bundela. On doit fermer notre bouche. Regardez la situation sécuritaire aujourd'hui. Regardez la situation sécuritaire aujourd'hui. Bah, soda bangwana na est, bah, zozanga même mituka, yako kende nango bitum. Soki mituka yezalite, kaka minisyo yako bunda nango nezali. Des fois, on comprend pourquoi bazali ko sa la reprise stratégique. Des fois, on comprend. Le lo bandi ko s'attaque, l'administrateur général a dû être nommé par l'ordonnance présidentielle. Mesdames et messieurs, diabo yo yo zali nango na yebite, soki e utawapi. Vous vous êtes mis ensemble avec l'ancien vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. On a commis message à Moulaï, à Tindeli, chef de l'État.
Oh, monsieur, soyez na tongo à répéter les mêmes choses. Mais pourquoi? Parce que monsieur Augustin Mulumba Sabui, qui a été nommé administrateur général adjoint de l'ANER, a bloqué qui ma copre na bino na Ogefrem. Saviez-vous, chers compatriotes, que Ogefrem est bandé qui peut perdre entre 300 000 et 500 000 dollars chaque fin du mois? Na contrat moko ya flou. Oh, on a dit qu'on paie ça à un certain Ougandais du nom de Obat. Ma belle a Augustin Mulumba pour bloquer le système. Wana. A Kanga Obat, wana. A Zongi ça on attra na Moussala na ye. Et lorsqu'il s'est intéressé na dossier Oyo, exacte que non, Aner est viola quitté. Aner a yaki wana parce que monsieur Obat avait rendu le Jeffrem aveugle. Je vais dire quoi par rendre le Jeffrem aveugle. Donc, laisse.